bien. Alors, aujourd'hui, nous sommes le jeudi 18 juin. Il est 15h29. Puis bout à la sieste. Cette fois-ci, il dort. C'est sûr. Parce que ce matin, j'ai eu mon rendez-vous à l'ostéo. Ça s'est bien passé. Mais il faudrait que j'y retourne hein, parce qu'il y a du boulot. Mais voilà, ça s'est bien passé, ça va, je suis contente. Et du coup, Liam, il était chez son copain en attendant. Et ça lui a fait du bien de voir du monde. Donc il s'est bien défoulé. Et voilà, on est rentré, on a mangé. Et je l'ai mis à la sieste. Donc je vais essayer d'avancer. Allez, on y croit, on y croit, on y croit. Je vais tout de suite mettre mon téléphone en mode avion. Voilà, parce que voilà. Pour essayer de ne pas être focusé dessus. Et je vais vraiment essayer d'avancer celui-ci. Il faut vraiment que j'avance celui-ci au maximum. Et voilà, si vraiment je commence à partir un petit peu, je passerai peut-être sur celui-ci. Voilà. C'est parti. Je suis contente aussi, j'ai reçu ma poussette. J'y croyais plus. J'y croyais plus. Du coup, là, c'est le bazar. Il y en a partout. C'est un de ces bazars. Et je me gratte encore et encore et encore. Faut que je voie avec mon médecin demain. Parce que demain, c'est mon dernier jour d'arrêt. Je passe en congé pato. Je passe en congé pato. Puis après, je serai en congé mat. Mais. J'avais peur de ne pas recevoir ma poussette. Attends, je sais pas si je vais pouvoir faire le bordel. Dans tout le linge que j'ai plié, enfin, c'est surtout des draps. Mais voilà, j'ai reçu ma poussette, je sais pas si vous voyez. Ouais, j'ai eu de la poussette avec les cosy et j'ai de la. Je sais pas comment ça s'appelle ça. Enfin bon, bref, je suis contente. C'est pas la couleur que j'avais demandé. J'étais censée recevoir là une rose et grise. Soi-disant qu'elle avait été envoyée, machin. Et puis, peut-être 2-3 semaines après, 2 semaines, le vendeur me contacte et me dit « J'ai pas la couleur que vous demandez. Choisissez-en une autre ou sinon, il faut attendre 15 jours, 3 semaines. » Je lui dis « Je lui demande une autre couleur. Ah non, j'ai pas celle-ci non plus. » Je lui dis « Dites-moi de toutes celles que vous avez, ça ira plus vite. Hein. » En fait, il n'en avait qu'une autre de couleur. Donc voilà, marron-beige. Bon, ça va encore, mais bon, c'est pas celle que je voulais, je suis déçue. Mais bon, elle est arrivée à temps. Voilà. Ça fera largement l'affaire, je suis contente. Elle est pratique, ça va être cool. Et facile à monter et démonter, ça va être cool. Bon, allez, j'arrête de blablater. Je vais manger un peu de chocolat, sans sucre. Mais genre quoi. Ouais, bref. Pourvu que ça aille mieux après la grossesse. Je peux remanger normalement. Parce que là franchement je tire la gueule. Pas quand je mange des fruits. Et encore j'ai 3-4 fruits par jour. J'ai pas trop de cerises. J'en ai un seau plein dans mon salon, je suis dégueu. Tristesse. Bon allez, on y retourne. Thank you.
sommes le lendemain. Et journée compliquée. Enfin, nuit difficile surtout. Donc voilà, il est... Quelle heure ? 15h46. Donc nous sommes le vendredi 19. Ça me gratte, j'en ai marre. Je sais pas si vous voyez, c'est qu'elles sont rouges. Elles sont plein de petits points, enfin, plein de petits points blancs. Enfin, je sais pas, points blancs, points rouges, enfin, c'est... Ça me gratte, c'est horrible. Enfin, bon, bref. J'ai passé une nuit de merde. Hier, j'ai eu mon rendez-vous à l'ostéo. Hein. Donc, ça continue à travailler un petit peu. Et j'ai pas du tout réussi à me retourner, en fait. Et puis, mon bassin m'a dit fuck. Voilà, donc... j'ai ce besoin de me retourner. Parce que Minimis, au bout d'un moment, elle veut changer de place. Elle me donne des coups et... voilà, j'arrive. Et même moi, j'ai besoin de bouger. Et sur le dos, ne serait-ce que pour passer sur le dos, je me fais mal avec mon bassin. Donc j'essaye avec les jambes pas trop relevées, ou j'essaye avec les jambes relevées, mais non, il n'y a pas, ça passe pas, ça me tire, ça me fait mal, ça craque. Donc au bout d'un moment, j'en ai marre. Je me suis levée et puis j'étais dans le canapé, parce que... T'arrives pas, hein, t'as mal, t'es pas bien, t'arrives pas à dormir. Hein. Donc je suis partie dans le salon. Puis... Il était quoi? Il était 4h30, mais bon, ça faisait un moment que j'essayais de tourner dans le lit. Hein. Donc j'ai pas dû dormir grand chose. Ce matin, je me suis endormie un peu dans le canapé sur les coups de 8h. Je sais pas, il devait peut-être être 8h30. Entre deux, hein, j'ai été prendre ma douche, tout ça, je me suis dit comme ça sera fait. Donc, Bibouille dort, j'en profite, j'ai été prendre ma douche, tout ça. Et du coup, je me suis endormie. J'ai lu un petit peu et je me suis endormie. Donc, à croire que ce truc m'endort. Mais bon, j'ai enfin dépassé les 100 pages, je suis à la page 113. Alléluia. Bon. Du coup, oui, je me suis endormie un peu sur le canapé, bah, jusqu'à ce que Bibou me réveille, du coup. Et il s'est levé, il était quasiment 10h moins le quart. Donc, il nous a fait une bonne grasse mat ce matin. Ouais, je continue de me gratter, ça me saoule. C'est horrible. Donc là, je l'ai mis à la sieste un peu plus tard, du coup. Vu que il s'est levé tard. J'en ai marre. Sinon, bah, j'ai eu ma consultation téléphonique avec mon médecin ce matin. De toute façon, c'est juste pour qu'il me fasse passer en congé pato là. Parce que mon arrêt de travail s'initiait aujourd'hui. Je sais pas s'il m'a envoyé le papier ou pas. Je sais pas, j'ai pas trop fait attention à mes boîtes mail. Mais bon, je lui ai parlé de mes démangeaisons et enfin, il me dit c'est bizarre, c'est pas une allergie ou quoi. Ben, je lui dis j'ai pas changé mes habitudes, j'ai pas changé les lessives, rien, je comprends pas. Puis ça m'inquiète là, ça fait un mois et demi que je me gratte comme ça et j'en peux plus quoi, j'en peux plus. Je vais devenir dingue. Sinon, le maître de Liam m'a appelé aussi. Il est censé retourner à l'école lundi, mais son maître ne sera même pas là, donc je sais même pas s'il est remplacé. Je lui ai pas trop laissé le temps de me dire quoi que ce soit. En fait, je lui ai dit que moi ça n'allait pas des masses, donc et que j'étais de toute manière en troisième trimestre, donc je suis une personne à risque, je vais pas risquer d'emmener mon fils dans une école où il y a plein de gamins, voilà, et où ils sont pas capables de gérer les distance de sécurité, donc voilà. Et même je suis pas apte moi-même à me lever chaque matin pour l'emmener à l'école, donc je vois pas, enfin c'est pas possible, j'en ai marre. Donc je lui dis clairement que je le remènerai pas à l'école.
Mais il a très bien compris. De toute manière, bah, ma grossesse, elle se passe bien. Je deviens toute rouge, tout quoi. Moi, je pense même pas, vous voyez. Mais je me gratte, c'est rouge, 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 quoi. Et là, j'ai des ongles, alors ça fait du bien. Mais c'est pas bon. Donc ouais, non, je dois vraiment avoir un souci. Donc non, je ne remettrai pas le lien à l'école. Je pensais encore le mettre peut-être juste une. Enfin, de toute manière, ils sont censés reprendre que 2 jours par semaine en plus. Parce que j'ai cru comprendre. Donc voilà. C'est pas. Voilà. Ça vaut pas le coup de l'emmener pour choper la mort. Hein. Clairement. Donc non, je le ramènerai pas à l'école. Il ira voir son copain Marius si il veut. Voilà, Marius viendra à la maison si jamais. Voilà, ils veulent se voir, mais non, je le remettrai pas à l'école. Et du coup, bah, j'ai rendez-vous avec mon médecin lundi. Parce que faut qu'on trouve ce que c'est que ces putains de démangeaisons. Parce que je n'en puis plus de me gratter, frotter comme ça. J'ai l'impression d'être. Ouais, j'ai l'impression que je vais venir folle. Et c'est encore pire le soir. Je sais pas si c'est à cause de l'œdème. Mais je pense pas. C'est le diabète non plus. Enfin, je veux dire, je suis pas en hypo ou en. Je suis plus quoi là. Je suis pas au-dessus du taux qu'il faut. Donc normalement, c'est bon. Puis je consomme quasiment plus de sucre. Ça peut pas être le sucre. Hein, je. Mais non, ça va pas quoi. Enfin bon, bref. Je sais pas ce que je fais, si j'essaye de dormir ou pas. Parce que là, je suis pas plus fatiguée que ça. Alors que je devrais. Mais bon. Je vais essayer de lire. Je vais dormir. Je pense, jusqu'à ce qu'il se réveille. Je sais pas trop vers quelle heure il va se réveiller du coup, vu qu'il s'endort beaucoup plus tard. Son père sera peut-être sûrement rentré. C'est sûrement lui qui va nous réveiller, je pense. Enfin bon, bref. Je vais avancer dans ma lecture et puis. Je verrai bien. Que la force soit avec moi. J'espère que vous, ça va. On a un temps de bain en ce moment. Ça flotte. Il fait beau. Ça reflotte. Orage. Ça reflotte. Oh, qu'est-ce que c'est triste. Bon, en même temps, je sors pas. Mais il va falloir que j'essaye de sortir demain parce que j'ai deux colis à récupérer au point relais. Et du coup, c'est un point relais qui a perpète les ouillettes. Enfin, non. Mais bon. C'est pas celui le plus proche, c'est clair. Je sais pas pourquoi. J'avais pas la possibilité de choisir des points de relais qui sont plus proches alors qu'ils sont ouverts. Enfin, bon. Bref. Faut que j'aille chercher ça et que je dépose un colis, j'ai fait une vente, il va falloir que je le prépare et que je le poste demain. Je voulais faire un peu de montage aussi, mais je me dis si ça va pas mieux cette nuit, ben clairement je ferai du montage cette nuit. Voilà, donc ça sert. Parce que cette nuit du coup ben, j'ai zoné sur mon téléphone. J'ai encore regardé Viking. Là j'ai attaqué la saison 4. Et je crois que je suis déjà à l'épisode 4. Enfin bon. Je suis irrécupérable et le pire c'est qu'après bah, j'en rêve la nuit donc enfin, quand je dors. Donc ouais, ce soir j'irai peut-être pour faire un peu de montage parce que j'ai toujours pas monté le book haul. Je suis en train de me. Je me suis rendu compte hier. J'ai un book haul à vous monter. J'ai un unhaul aussi à vous monter. J'ai la vidéo de la fin de mon DP perso à vous filmer. Ça je le ferai la semaine prochaine si ça va mieux. Bah, pareil quand le petit sera à la sieste. J'aimerais bien aussi vous faire un petit peu de DP en version chit-chat, un truc comme ça. Enfin bon, le faire avec vous. Parce que là ça fait un moment que j'ai pas avancé sur mon dernier DP, le home fun là. Et j'aimerais bien. Maintenant que j'ai rangé à peu près mon bureau. Voilà. Mais ouais. Donc j'aimerais bien faire aussi du colorage. Mais bon, dès que je suis sur le bureau, j'ai les pieds qui deviennent violets. Hein, donc.
Minute glam. Et je peux pas me mettre autrement. J'ai pas de petite table, enfin, petit support pour colorier dans mon lit ou quoi, donc. Enfin bon, bref. Je vais lire et je vais m'endormir. Tchuss. Je sais pas à combien de minutes de rush je vais me retrouver, mais je pense beaucoup. Déjà que l'autre jour, Bibou a voulu vloguer lui aussi. Rien que ça, ça. Il m'a pris la caméra pendant 15 minutes. Enfin, je vous mettrai un tout petit extrait, je pense, de ça. Enfin, je vous l'aurais peut-être seulement mis avant. Mais voilà. Et j'envoie un entier à ma sœurette. Mais il m'éclate. C'est en ce moment que je vois qu'il a tellement évolué, tellement changé, que j'ai raté tellement de moments, en fait. Parce que je travaillais, parce qu'il était chez nounou, parce que si, parce que ça. Hein, et ça me bouffe, en fait. Oh, bon, bref. Je vais lire un peu avant de chialer et je vais me gratter, hein. Allez, bisous bisous. Ah, faut que je refasse mes ongles aussi. C'est Bibou qui choisit la couleur que j'utilise, mais bon là, clairement. Est-ce qu'il va vouloir focuser? Non, je pense pas. Enfin voilà, il avait choisi gris et jaune. Et ouais, en ce moment j'ai plus de facilité à faire des points. Alors, je rends de tine tous les GV, mais bon là. Clairement, ça a poussé et ouais, il recommence à pousser vite. Faut que je les recoupe là parce qu'ils sont trop longs. Et il va sûrement me choisir du bleu, il m'a dit. Donc, il faudrait que je le fasse aussi. Oh, je sais pas quand, mais il faudrait que je le fasse. Allez, tchuss. Sinon, je vais jamais partir.